to arrive survive. Terminus. Sanctuary for all. Community for all. Hello world, c'est Golden et bienvenue pour une petite présentation ou un petit let's play, ça dépendra si le jeu me plaît, de The Walking Dead No Man's Land. Je vous le fais, c'est une thème maintenant pour mettre. Alors, bon, déjà, on va y aller un petit peu doucement. Donc, The Walking Dead, c'est quoi? C'est une série télévisée, si vous ne savez pas, qui parle de zombies, donc c'est un peu post-apocalyptique zombie. Pourquoi ce jeu? Tout simplement parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, vu que je ne connais pas ce jeu, le faire en let's play, au moins en une vidéo. Donc c'est une totale découverte pour moi, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc il y aura une seule vidéo, ou si le jeu me plaît, il y aura un petit let's play jusqu'à la fin du jeu, ou jusqu'à que ça me lasse, qu'apparemment le jeu est assez lassant. Alors, planter une lame en plein dans le crâne, toucher pour... j'ai dit, d'accord. Alors, vous jouez au tour par tour. Commencez par déplacer tous vos survivants, d'accord. Puis les rôdeurs se déplacent. Prenez le temps, soyez astucieux, survivants. Ok. Objectif mise à jour. Ok. Tac. Très bien. Coup critique. Deuxième, ici, comme ça je peux l'attaquer. Très bien. Et le dernier. Ici. D'accord, très bien. Préparez-vous à vous battre. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut jouer aussi les personnages de la série. C'est-à-dire que là, on joue que trois personnages qu'on ne connaît pas. Mais qu'après, on pourra, par exemple, jouer avec, par exemple, Daryl. Donc ça, ça va vraiment être bien. Parce que bon, moi, dans Walking Dead, je suis un grand fan de Daryl. Donc ça me permet bien d'y jouer. Le rôdeur rouge, c'est à vous de jouer. Très bien, prenez votre temps pour préparer votre stratégie. Alors, j'aime bien parce que prenez votre temps pour jouer la stratégie, le mec il donne l'indication. Non mais en fait, faut faire ça. On va voir ce que ça fait. Hein. D'accord, et Anne, on va les faire attaquer du coup le zombie du bas. Voilà. Rejoignez la zone de sortie pour terminer la mission. Ok. On les a eus, allons-y. Hop, je vais pouvoir déplacer mes personnages. Hop, voilà. Ok, bon. Première partie de niveau assez sympatoche. Hein, ça va, c'est pas très compliqué pour le moment. Ça indique bien la gestion et tout ça. Quel canal? Ils se sont tous fait transformer. Le camp est à vous. Peut-être même des provisions à récupérer. Construisez une parcelle agricole. Alors, le jeu, il y a deux phases. Il y a la phase combat, apparemment. Il y a une autre phase, c'est plus une phase gestion, construction. Vraiment plus pour la survie que vraiment le gameplay intéressant du fight. Donc là, par exemple, je vais pouvoir construire une parcelle agricole donc, pour produire des provisions. Donc c'est gratuit, mais on va pas gêner. On va un peu la mettre un peu plus par là, à côté du caillou, là. Ok. Donc voilà, c'est gratuit. Et j'ai obtenu du BP, donc je sais pas trop ce que c'est. Donc après, récupérer ses provisions. Ok. Dessus. Vous n'êtes pas en sécurité à pied, il vous faut un véhicule. Utilisez des provisions pour réparer une voiture mission. Bien, boutique,
produit de l'essence au moment de la capacité de stockage. D'accord, on peut faire de l'essence avec des trucs de cas de tomates. Pourquoi pas. Voiture de mission, ok, bon voilà. Bon, cette phase-là est un peu sympa aussi, ça fait un peu le mélange de des jeux connus de normal, hein, donc pourquoi pas, retrouver Daryl au feu de camp, très bien. Bon, Daryl est là. Comment je suis pour cliquer, voilà. On doit retourner au terminus. Je l'ai sorti de là, mais il y en a peut-être encore qui sont coincés dedans, on ne va pas les laisser crever de faim. Donc, en route vers le terminus, retourner au terminus pour y chercher des survivants. Et vous voyez Daryl, donc il nous faut des pièces. Donc pour débloquer Daryl, donc pour débloquer aussi tous les autres personnages, il nous faut des pièces de ce personnage. Donc là par exemple pour Daryl, il en faut 50. Je sais pas trop comment ça se récupère, mais bon, on va voir. Les missions, donc chapitre 1, il y a à peu près. Je sais pas, alors il y a. Il y a 6 chapitres, exploration, termine chapitre 1, vous devrez cette partie, après il y a des défis. Et il y a là, on passe. Bon, on va faire les chapitres pour l'instant. Alors, il faut rentrer. Il y a des rôdeurs partout sur la route, il va falloir dégager, la dégager étape par étape. Ok, alors attendez, parce que là, j'ai fait plein de trucs. Alors, en bonne voie, prenez tout ce que vous trouvez, par le temps de faire de la fine mouche. Récompense de mission 300. Donc, choix d'équipe, hop, on va. Du coup, mes trois personnages que j'ai commencé, ils vont commencer la mission. Je vais peut-être juste baisser un poil le son du jeu. Parce que pour moi il est un poil fort, je vais le mettre un tout petit peu plus. Ok, donc Ken, Joël et Anne. Chargement. Bon, ils sont un peu chiants les chargements, mais bon, en même temps, ça va. Le jeu est pas trop dégueulasse. Hein. En plus, il y a même des petites vidéos un peu, donc c'est des cinématiques, donc c'est vachement sympa. Je n'aurais jamais pensé revenir dans le coin un jour. Descendre de rôdeur, je comprends, mais tuer et manger des gens. On se concentre, on peut fouiller ces caisses devant nous. Donc, objectif, atteindre la zone de sortie signalée en vert. Très bien. Alors. Atteignez la sortie. Et très bien. Alors, déjà, où est-ce que je peux aller jusqu'à là? Parce que là, si je vais là, hop, on va faire un contour. Le problème c'est que là je m'arrête là, je voudrais pas m'arrêter là, je voudrais faire le tour. D'accord, là il me chope, très bien. Donc si ce que je suis là, il me dit. Ah si, je suis chopé ici. C'est pour ça qu'il y a un cercle, d'accord. Là il y en a un qui veut. Je sais pas quoi, c'est quoi ça. Bon, on va essayer, on va voir un peu, on va tester un peu le jeu. J'aime juste bien qu'il descende d'un cran et qu'il attaque. Ouais, bon, on va le faire attaquer là. Ok. Très bien. Ça suffit à utiliser toutes ces actions pour ce tour. Ok, donc je peux faire qu'une seule action. Très bien. Bon, alors on va. On va groupir. On va rester groupir. Donc on va faire le tour de ce personnage et attaquer ici. Voilà. Et pour le final, on va utiliser. On va tuer celui-là. Votre tour, très bien. Le zombie ici ne m'a pas repéré, donc je peux rejouer. Très intéressant. Hop, je vais aller là et le tuer. Voilà, petit angle de caméra et tout. Coup critique. Très bien. Alors ici, il y a des informations, ça me vaut un tour, mais c'est pas grave, je vais lire ce qu'il y a. Ce que ça veut servir. Sanctuary for all, my ass, I wonder who many... Les pièces, c'est que je comprends, c'est manger ou mourir, c'est aussi simple que ça. Ah, ce que dommage par contre c'est que c'est pas traduit en fait, donc c'est un peu bête. Victoria. Rôdeur à pierre éliminé, récompense de mission. Lorsque les survivants tuent des rôdeurs, vous gagnez des points d'expérience. D'accord. Essayez-les pour entraîner vos survivants au camp. Très bien. Alors j'ai des caisses. Vous avez trouvé des caisses de butin durant la mission. Ouvrez-les. Alors je suppose du coup que je peux en ouvrir que 3. Voilà. Alors, j'ai obtenu 170 points d'XP, très bien. On va voir la deuxième à côté. J'ai obtenu 190 points d'XP, d'accord. On va voir celle-là. Et c'est de la bouffe. Ok, bon. C'est tout pour les caisses, on rentre au camp.
C'est sympa aussi que ce soit Daryl qui dirige du coup, parce que Daryl c'est un personnage quand même assez emblématique de la série, mais c'est pas le vrai personnage principal, donc c'est ça qui est marrant. Vous avez assez de points d'expérience pour entraîner un survivant. D'accord, donc je peux aller au camp. Avant de commencer un entraînement, nos survivants, nous devons agrandir le camp. Améliorer le conseil pour déverrouiller plus de terrain et de bâtiments. Donc je vais cliquer là, conseil, on va l'upgrade. Capacité de stockage 1500, plus de stockage 1000, plus de 1000 points XP. Donc on a des tentes, on a des camps d'entraînement et on a une parcelle agricole. On va l'améliorer donc pour 15 secondes. Hop, on va l'accélérer parce qu'après on s'est réduit. Ah, du coup ça dégage toute la zone, c'est bien. Construire le camp d'entraînement. Ok, alors boutique, camp d'entraînement. On va le faire ici, comme si j'aime pas trop. On va attendre, on va pas. Voilà. Donc, commencer à entraîner un survivant. Très bien. Alors, on va cliquer là. Le personnage. Pardon. Et on va. Ah oui, alors chaque personnage a une capacité personnelle. Donc, je sais pas trop ce que c'est ces capacités. Là, il y a une espèce d'œil pour Anne. Ils ont à peu près les mêmes cœurs, ils ont à peu près les mêmes choses. Bon, on va entraîner Joël, tiens, allez, hop. Voilà, donc les dégâts, d'accord. Santé de 105, Joël. Comment il se met? Entraîner. Entraîner pendant 20 secondes, hop. C'est vraiment le camp de base avec la musique. C'est au moins enfermé tout le tour. Ah oui, c'est enfermé tout le tour. Donc j'aurai un énorme espace quand même de stockage. C'est pas trop mal. Ah, je peux récupérer de la nourriture aussi. Hop, je récupère. Entraînement terminé, super. Niveau 2 atteint. Donc dégâts plus 8, santé plus 9, donc tant mieux. Vous avez tous l'air en forme, mais je vais quand même rester un peu. Prenez ça vous aidera peut-être en route. Ouh, des golds. Vous pouvez entraîner Ken. Tant que vous entraînez vos hommes et agrandir le camp, tout ira bien. Offre spéciale, je sais pas ce que c'est ça. C'est dit que vous pourriez peut-être l'offre samedi 101, 6 appels. Ah oui, c'est une offre, il faut payer. D'accord, non merci. Non merci, justement. Survivant, bah, je vais entraîner les autres, tiens, tant qu'à faire. Ah, ça me coûte de l'XP. Ah non, ça me donne de l'XP ou ça me... On va voir. On va voir parce que c'est quand même bizarre. On va regarder les quêtes aussi en même temps. Termine l'émission sans aucun rôdeur en amiral. Terminer l'émission d'exploration. Oh là. Terminer l'émission sans qu'aucun rôdeur ne meure. Ça c'est compliqué quand même. Hop, entraînement terminé. D'accord. Niveau 2 atteint. Hop, super. Bon, puis tant qu'à faire, on va entraîner Anne. Acheter les ressources manquantes. Ah, il me manque de l'XP très bien. Donc ça me coûte quand même de l'XP, oui. Oui, ah oui, la barre d'XP est là, d'accord. Ah oui, c'est deux barres différentes entre la barre qui est à droite ici et le petit truc qui est à gauche au niveau du joueur. D'accord, ok, je comprends. Très bien, bon. Du coup, on a le temps de se faire une autre petite mission. En route vers le terminus, retourner au terminus pour aller chercher les survivants. Hop, on continue. Donc, on va cliquer. On commence une mission 300, donc choix de l'équipe, voilà. Pas d'attribut leader, toucher pour en passer, ouais, bon, c'est bon. Je sais pas ce que c'est, pas d'attribut leader. Voilà. Ça consomme aussi de l'essence, donc il va falloir qu'après je récupère de l'essence et tout. Chargement, avec la petite musique angoissante derrière. Ok, allez, continue. Chargement. Toujours autant de chargements. Alors, les objets interactifs brillent, faites glisser les survivants jusqu'à eux pour les fouiller. Ok, alors là par contre, il risque de m'attaquer. Enfin, de m'attaquer, je sais pas en vrai. Bon, on va essayer. Coup critique, très bien. Le deuxième, normalement, juste à faire ça. Si je les tue direct, ça sera bon en fait. Très bien. Ensuite, on va fouiller ce coffre. Enfin, ce coffre, cette boîte, à vrai dire, je ne sais pas trop ce que c'est.
Hop, lui ici. Et Anne, on le fait ouvrir celle-là. Magnifique, des rations militaires. Excellent, c'est un bon moment. Allez, on bouge. Hop, moi je me casse en cas des rôdeurs qui arrivent. Victoire. Hop, donc récompense de mission, des rôdeurs et pierre lignée. Okay. Hop, donc on va ouvrir des caisses. XP, de la bouffe et un téléphone. Un talkie-walkie. Un téléphone. Oui, c'est un talkie-walkie. Un talkie-walkie. Il nous servira à recruter d'autres survivants. Très bien. On le ramène au camp. Chargement. Alors, il y a des trucs, des nouveautés au camp. Touchez le talkie-walkie pour l'utiliser. Vous pouvez entraîner Anne. Ok, voilà, attendez, je vais d'abord entraîner Anne. Ah non, je peux pas. Bon, c'est la radio. Oula, alors attendez. Chercher des héros et des survivants. Donc, obtenir un survivant, d'accord. Je peux pas construire la tente radio ou trop plus passer une tente radio. Ok, alors apparemment, il me faut des étoiles, parce que j'ai pas d'étoiles. Bon, ouais. Donc, c'est top key, on verra. Je vais essayer votre nouveau survivant. Léo, ok. Très bien. Il y a un nouveau survivant dans le portail. Il a l'air plutôt costaud dans le portail. Bah. Oui, on va l'accepter hein, en même temps. On va pas le larguer. Hop. Très bien. Retournons sur la route. Alors, le. D'abord, on va entraîner. Alors, je peux entraîner soit Anne, soit Léo. Alors, Léo, il a deux. Il a deux, comment dire, il a deux étoiles, donc il a l'air un peu plus puissant. Déjà, il a 43. Par contre, il a que 43 en visée, mais il a 154 en points de vie, donc c'est pas trop mal. Il a une batte de baseball, très bien. Il a une armure plutôt costaude. Il a une bonne défense, donc du coup, il a une frappe assez puissante. Donc, désolé, petite coupure. Donc, je disais du coup qu'on va essayer d'entraîner Léo. Donc entraîner, d'accord, donc je peux le payer en lingots ou en XP. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qui est le moins cher. Donc pour l'instant, je vais rester avec l'XP. Parce que le lingot, je suppose que si j'appuie sur plus, d'accord, oui. Donc les Legos, c'est les lingots, c'est vraiment le truc qui coûte le plus cher. Donc l'XP, il va falloir vraiment que je farme. Donc à ce niveau-là, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc j'ai beaucoup de bouffe. Par contre, j'ai plus trop d'essence. Donc l'essence, il faut d'essence pour commencer une mission. Je suppose que du coup je dois pouvoir. Ok, bon, je veux pas trop. Ok. Donc niveau 2 atteint. Dégâts plus 6, santé plus 14. Ok, donc ça va être un bon perso. D'accord, donc, de toute façon j'ai pas trop de. Ok. Attendez, est-ce que je peux. Passez votre tente radio au niveau 2. Concevoir la tente radio. Ok, c'est quoi la tente radio? Le conseil doit être de niveau 3 au super, sur ce bâtiment. D'accord. Là, par exemple, si je veux augmenter le conseil. Ah oui, ouf. D'accord. Très bien. Bon, on va continuer à faire une petite mission vu qu'on a encore un peu le temps. Donc, après, j'ai un gros coffre en or, je sais pas trop ce que c'est. On va bien voir. Du coup, c'est beau, et en terminant, je vais tout simplement. Alors, sinon de fumée, le nouveau survivant vient de prendre une batte de baseball, c'est parfait pour exploser des crânes. Récompense de mission 310 XP. Survivant de niveau 1, recommandé. Essayez votre nouveau survivant. Oui, qui sont tous pareils, je vais enlever Anne, parce que c'est la seule qui. C'est la seule qui est un peu moins bien, donc c'est tout à fait normal. Hop, vu que je l'ai pas augmenté, donc on va laisser cela. Il va falloir aussi que je récupère de l'essence, ça va être un peu le challenge. Ken, Joël et Léo. Je vois pas trop à quoi ça sert le petit temps de chargement, après continuer, puis t'as un retour de chargement derrière. Et du putain derrière le plus costaud. Je m'en occupe. Ok, alors déjà j'aimerais bien savoir. Ok, donc je peux pas regarder autre aux alentours.
Donc on va prendre Léo forcément pour lui éclater le crâne à lui. Étourdissement, d'accord, donc il n'est pas mort. Les armes contendantes peuvent assommer temporairement en rôdeur. Très bien. Où occupez-vous des plus faibles derrière les voitures? Ok, donc celui-là, hop, on va l'emmener derrière. Celui-là, on va l'emmener ici. Hop, votre tour. Et donc, du coup, on va lui exploser le crâne. Hop, voilà. Hop, lui, on va lui faire lire ça. Tiens. Hop, Iken, on va aller nous faire ouvrir ça. Voilà, quelqu'un a barbouillé le panneau terminus avec No Sanctuary. Si j'avais vu ça n'aurait pas essayé de me cacher dans un conteneur à attendre de me faire massacrer. Hop, donc Ken, il va y ouvrir ça maintenant. Hop, donc on va faire ouvrir ça à Joël. Et Léo, celui-là. Voilà. Donc maintenant, on va les faire rentrer ici. Écoutez, la zone est passée aux zones. Oui, je sais. D'accord, oui, très bien. Ken qui bug, très bien, pourquoi pas. Victoire. Hop, donc c'est bon, ceux-là ils sont sauvés. Donc ça rapporte un peu d'XP, c'est pas trop mal. Après mission, vous obtenez 3 débrouillages gratuits. Toutes les caisses contiennent des objets. C'est ouvert derrière, j'ai cliqué sur le bouton suivant, c'est. Oh là là, je vous jure. Certaines caisses sont spéciales et contiennent des récompenses de choix. D'accord. Je viens de l'XP, de la bouffe et deux talkie-walkie. Ça, c'est bien. Pas mal. Les caisses dorées sont toujours là dehors. Acheter 3 déverrouillages cette fois, c'est gratuit. Bon, acheter gratuit. Bien, ouvrez-en 3 autres. Ah. Oh, une batte de baseball avec 3 étoiles. Bon, apparemment, j'ai pas ouvert la bonne, apparemment. Mais la batte de baseball est pas trop mal. Donc, honnêtement, je pense pouvoir la mettre sur Léo. Ça serait pas trop mal. Comment qu'on va voir ça? Donc, je vais aller au camp déjà. Au camp d'entraînement. Hop, pour. Ça c'est quoi? Non, je veux pas upgrade tout le temps de machin. Je vais mettre ça. Voilà, et je voudrais bien les changer du coup avec la nouvelle batte, voilà, qui va faire beaucoup plus mal. Je sais pas s'il l'a pris en compte du coup. S'il l'a pris en compte, ok. On va pas trop gâcher des trucs pour augmenter Anne. On verra ça plus tard. Avec la radio, du coup, je peux. Non, je peux faire qu'un appel, d'accord. Soit la tente radio, donc après il me faut assez d'expérience pour pouvoir augmenter ça. Là je sais rien. C'est quoi ça? J'ai le logo YouTube. Regardez des vidéos pour venir des ressources nécessaires à votre survie. D'accord. Pourquoi pas, dans le besoin un jour. Hop, ok, avec des petites lumières. Bon bah c'est sur cette petite. Attends, ce petit récoltage de nourriture qu'on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc conclusion, je pense que c'est vraiment un bon jeu. Je continuerai à faire des vidéos dessus certainement jusqu'à que ça prenne beaucoup trop de temps ou quelque chose dans le genre, mais honnêtement, ce jeu me plaît bien. Ça prend bien l'univers de Walking Dead, donc en attendant la saison 7, c'est un très bon moyen d'attendre. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, ça prend 2 secondes et ça me fera super plaisir. Hein, vous copiez le lien sur Facebook ou sur Twitter, vous envoyez. Et on verra ce qui se passe. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss!